Hey, parlant de qualité, allons-y avec ton combo de shoot'em up, GF. Ah, ok. Allons-y donc. Toplane Arcade Shoot'em Up Collection Volume 3, développé par Bitwave Games et Toplane, est publié par Bitwave Games, disponible sur PC via Steam et Good Old Games. Donc, faut-tu avoir joué au 1 puis au 2 avant? Non, parce que ce n'est pas les mêmes jeux. C'est ça. Donc, Toplane, compagnie mythique de Shmup, absolument. De Shmup et de... Il y en a quelques-unes. Toplane, Cave ouais. et Raisin, et bref. Mais Toplane, c'est très connu. Vous connaissez, vous, à la maison, plusieurs jeux de Toplane sans même le savoir. Probablement. Ouais, c'est ce qui est arrivé quand j'ai regardé de la collection. Exact. Donc, on est dans la troisième collection. La première collection avait quatre jeux, donc Zero Wing, Outzone, Twin Cobra et Truxton. La 2 avait Fire Shark, Flying Shark, Slap Fight et Hellfire. Et là, dans la troisième collection, je vais le mettre en vidéo ici, on a Tiger Ely, Fix 8, Vimana et Batsugun. Ah ben, si gros. Et mon cœur a été rempli de bonheur quand j'ai vu qu'il y avait Batsugun dans cette collection-là. Moi et Jeff, on aime beaucoup Batsugun. Dans les très bons shmups qu'on a pu jouer à travers les années. Donc, avant de passer par chaque jeu... Il y a plein de belles features dans cette collection-là, donc ça a été remasterisé pour le PC, donc c'est vraiment fait optimal PC. Ça roule en 60 FPS, c'est magnifique. Ça n'a pas été refait par contre, les assets graphiques sont encore les mêmes, ils sont juste bien rendus. C'est correct ça. Ah oui, faut que tu respectes l'original. On voulait pas qu'ils... J'aurais pas aimé qu'ils le refassent en genre de gros crisp HD. Là, absolument, ça roule. Ouais, donc là c'est du full HD, c'est du 60 FPS. Tu peux maintenant jouer en multiplayer local ou même en ligne maintenant, donc ça c'est parfait. Bon, il y a plusieurs modes de display, dans le fond, de filtre que tu peux mettre. Tu peux le mettre pixel crisp, là, 60 FPS bien tight. Tu peux te mettre un filtre CRT par-dessus. Tu as des pixel filters. Vraiment le fun. Tu peux changer les side panels, comme on voit là. Tu peux mettre les contrôles sur le les side. Les photos de ta famille. Si tu veux. Tu peux mettre le art. Tu peux mettre les contrôles. Tu peux mettre les stats. Tu peux mettre le FPS avec des graphiques. Tu peux mettre toutes sortes d'affaires. Ouais. Tu peux mettre tout ça off, ça te tente. Le bezel d'arcade. Le bezel d'arcade est là aussi. Ça, c'est hot. Quand tu mets le mode CRT, bon, ils arrondissent le coin comme si c'était une télévision. Oui. Je joue jamais avec ce mode-là, mais c'est sympa. Non, personne n'aime ça. Je sais pas pourquoi. On est content. Ils le mettent, c'est dommage cool, mais herc, on veut pas. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme les scanlines. Je les mets jamais. Il y a du ranking en ligne aussi maintenant, donc ça c'est très cool de pouvoir avoir du ranking mondial avec tout le monde. Pour ce genre de jeu là. Ouais. Évidemment, on a la feature de rewind, donc on peut reculer, ce qui est très pratique parce que là-dedans il y a des bullet hell puis ça brasse pas mal. Donc ça va être sur le right bumper de votre manette pour reculer. Les triggers gauche et droite contrôlent aussi la vitesse du jeu. Donc tu peux ralentir la vitesse avec le trigger de gauche ou accélérer la vitesse avec le trigger de droite. Pour tous les jeux. Pour tous les jeux. Je sais pas pourquoi t'accélérer à vitesse. Ben en fait. Ben si il faut que tu mitrailles à la même place pendant 5 minutes. Ça que... ou mettons Tiger Ely que genre ton petit truc avance puis là l'hélicoptère tu veux comme. Poivré la même affaire pendant 5 minutes. Je suis d'accord. Ah mais il y a des gens aussi qui jouent à des shmups qui sont des tu sais comme qui sont malades. Ouais, qui sont. Tu sais comme tu l'apprends le jeu par cœur. Fait qu'à un moment donné tu veux le faire plus vite. Speedrunning, tu rentres dans une loupe infernale là, d'ultra focus. Schizophrénie. Pour parler d'aller plus vite, on a des quick save et quick reload, donc c'est très facile de repartir ta game. Des replays qu'on peut partager très facilement avec les autres. Un mode very easy qu'il n'y avait pas dans les jeux. Maintenant, ils ont inventé un mode dans le fond, very easy. Fait que pour la moitié moins de balles, deux fois plus de vie. Exact. Rotation d'écran que j'ai pas essayé, mais j'imagine que tu peux mettre... Pourquoi est-ce qu'on voudrait ça? Je sais pas. Bon, il y a des achievements. Fred, t'as pas joué, il y a des achievements. C'est correct. C'est respectable. Un mode miroir et, comme j'ai dit, des side panels multiples. Donc, c'est tout ça, tout ce package-là est incroyable. Il y a bien du stock, vraiment le fun. Puis ça rend le gameplay vraiment très intéressant de jouer avec tout ça. Donc là, maintenant, si on passe à travers les jeux, premièrement, Tiger Ely. Oui. Le 785, le prédécesseur de Twin Cobra, mesdames et messieurs. Oui, monsieur. Twin Cobra et Tiger Ely, qui sont disponibles sur le Nintendo et qui sont vraiment pas bons. Et c'est pas des jeux faciles. Non, j'aimais ça, c'est pas super. Twin Cobra. C'est mon gameplay. Donc là, j'ai dans les options, tu pouvais mettre que l'hélicoptère va un petit peu plus vite. Ouais. Ça aide, mais pas tant que ça. C'est un jeu qui est assez difficile. C'est à la 1942, un peu. Cette difficulté-là, de comme il y a pas beaucoup de balles, mais ça va très lentement. Puis tu peux...
une balle, t'es mort. C'est très difficile. Tu sais, le look de ça, ça me rappelle Xevious, là, où est-ce que t'es ouais. comme au-dessus d'un ouais, neighborhood ouais. avec des maisons, ouais, des, ouais. des bungalows que tu pètes le toit, tu sais. Détruis une banlieue. Raiden aussi, le premier Raiden a l'air ouais. de ça. Là, donc, beaucoup, ouais, tu peux détruire des tanks, mais tu peux détruire les maisons, les bâtiments, ouais. n'importe quoi. Mais c'est vraiment dans le temps où est-ce que, tu sais, le background était très épuré, puis c'était quand même un peu appréciable. Là. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est très très lent, ça pavonne pas. Il y a un genre de système de bombes là-dedans que tu peux lancer qui lance comme 12 bombes en même temps sur l'écran. Là. C'est, je pense qu'on va le voir tantôt. Là. Ouais, on l'a vu un peu. On dirait vraiment que c'est le neighborhood de Paperboy. Oui, vrai. Ouais, ça ressemble vraiment à ça, raison. Ce qui est très difficile, en fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a des tanks qui arrivent de l'arrière des fois pour te fucker ta game complètement. Ben, c'est cheap. T'es en haut, tu viens pour tirer les tanks. Là, tu redescends. Oups, t'as un tank qui arrive en bas qui est en train de te tirer déjà. Fait ouais. que c'est, ça vient un peu du par cœur puis comment les éviter. Le replay est quand même très bien pour ça. En fait, pas le replay, le rewind. Le rewind, ouais. Je me suis rendu au level 2 avec le rewind. Fait que les autres, je les ai finis. Celui-là, j'ai pas passé au travers. Très difficile. Donc, voilà, on voit Tiger Lily. Donc, un classique de Toplan, quand même. Quand même. Ah, oui. Ensuite, Fix 8. Successeur spirituel au jeu Outzone, donc qui est un run and gun shmup. Dans ce cas-ci, en fait, on a le choix de 8 personnes qui vont 8 personnages qui vont se jouer tous différemment. Donc check ça, Dom, tu vas trouver ça bien intéressant si t'as jamais vu ça. Non, moi j'ai jamais joué à ça, ni un ni l'autre. C'est QS en plus. C'est vraiment excellent, là. C'est un run and gun, tu peux customiser tes soldats que tu choisis. C'est une belle histoire qui est bien immersive. Ce qu'on voit là en bas, le change panel, c'est très cool, ça te permet de changer de power-up. Ouais. Chaque personnage a comme deux méthodes d'attaque, soit le gun de base que tu peux tirer dans les quatre directions, en haut, en bas, gauche, droite. Mais quand tu warps cette affaire-là, tu peux juste tirer par en haut, fait c'est un peu tough parce que faut comme que tu planifies ton gameplay d'avance. Ouais, là. OK. Parce que des la fois, minute, tu prends un power-up, c'est que par en haut. C'est que par en haut. Puis là, des fois, il y a des zigzags où tu montres comme en diagonale. Tu peux-tu le jouer en twin stick, celui-là? Ça serait utile en tabarnouche. Je pense pas, non. Non, parce que c'est vraiment juste comme je dis, regarde, là, tu vois que je vais pouvoir tirer sur le side, mais tantôt, okay. je pouvais pas. Fait, OK, y a, donc il y a des armes que oui, puis des armes que non. C'est ça, il y a des armes qui vont aller juste vers le haut, il y a des armes qui vont aller de toutes les directions. Tout ce qui est multi-fire, en fait, va juste par en haut. Ouais, je pense que c'est ça. Quand t'es un pénis, c'est dans tous les sens. L'unité de toutes les schmops, le pénis. Mais c'est vraiment un excellent... J'avoue que le gun, c'est important. C'est pas à peu près, c'est pas à peu près 50 minutes pour ce travail de ça. Là. Il y a 7 différents mondes là, qui sont très très bien designés. Il y a deux bouts en shmup dans ça qui sont vraiment des shmups en vaisseau. Ah ouais. Le reste se fait à pied. Et tu peux jouer jusqu'à 3 personnes en même temps. Ce ah ouais, ça c'est quand même cool. Là. Donc un très beau projet de leg. L'arcade devait être écœurant. Ouais, ça devrait être hot pour vrai. Là. Ouais, ça a quasiment un vibe de Total Carnage. Ouais, exact. Mais c'est avant, là, j'ai l'impression. Il y en avait un bon sur Neo Geo aussi, de ce style-là. Comment ça s'appelait? Ah, je sais plus, mais je sais que tu sais, là, on l'a sur le bout de la... Ouais. Ah, en tout cas. Mais ça, c'est un style très agréable aussi de shooter top-down comme ça. Que je trouve, tu sais, mettons, Super C ou Contra 2... Vous savez, ouais, ouais. Super Contra, ils ont fait ça, mais c'est pas bon, tu sais, c'est pas assez arcadesque. Mais quand c'est. Ça c'est parfait, là. C'est vraiment très bon, ça. Ouais. Troisièmement, le jeu s'appelle Vimana. Donc, c'est un shooter vertical qui est seulement disponible à l'arcade, jamais sorti en console de rien. Des super beaux graphiques, là. C'était Shock Troopers, le jeu que je parlais. Shock Troopers, ouais. Il y a deux Shock Troopers. Donc, dans Vimana, c'est un voyage à travers la mythologie indienne. Donc, c'est vraiment une belle twist de shmup avec des trucs indiens. Des super beaux graphiques. Soundtrack qui est vraiment épique, là. C'est excellent. Puis, il y a une belle mécanique dans ça, en fait, de défense, qui est la mécanique de je vais appeler ça les 8 orbes, dans le fond. C'est que tu vas avoir 8 boules autour de toi quand tu l'actives, qui tournent. Puis il va aller targeter automatiquement les ennemis. OK. Puis si l'ennemi meurt, ta boule te revient vers toi. Fait que tu peux gunner un ennemi, tu sais qu'il est sur le bord de mourir, tu actives tes boules, ils vont aller bandir venin. Fait que je sais pas si on va se rendre. Ah, on le voit en fait là. C'est vraiment une belle mécanique, tu sais. Les balles te reviennent quand les ennemis meurent. Fait que ça donne vraiment du beau gameplay là. C'est à découvrir ce jeu-là. Personne n'a joué ça, à moi, ça. J'ai jamais vu ça de ma vie là. C'est. Puis j'ai passé au travers ça avec, c'est vraiment, vraiment très bon. Un autre genre d'une heure à passer, ça, là. Un excellent, excellent jeu, shmup, là. Shmup classique vaisseau dans l'espace, là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il y a Jim qui demande si c'est juste lui ou Toplan font juste des bons jeux. Ah, ils font pas mal juste des bons jeux, pour vrai. Snow Brothers aussi est c'est un jeu de Toplan en passant, et donc qui est pas un shmup. Ils font surtout des shmups, mais Snow Brothers, je trouve que c'est une belle série. Tout à fait raison. Vous saisissez l'opportunité de vous parler des commentaires de Jim 999. Ouais, ouais. Mais moi, j'aimerais te remercier de dire que je suis très bon, Jim. Ben oui. Merci. Toujours encourageant.
Voilà, donc troisième jeu. Et le dernier jeu, en fait, de cette collection, non le moindre, l'excellent Batsugun. Yes. Donc, on ouvre un chip pour célébrer ça. Ah, ouais, ouais. Et avant que tu parles de Batsugun, je veux juste te dire que dans Fix 8, il y avait Mike Tyson puis Sharon Stone. Wow! OK, ils sont pas nommés de même, je pense, dans le jeu, ils ont des noms spécifiques, mais c'est pas ça. Hein, ouais. OK, wow. Wow. Encore, ben, à découvrir encore plus à ce moment-là. C'était dit que tu ne faisais pas poursuivre, eux autres. Non. Donc, Batsugun, le dernier des shmups de Toplin, en fait, là, dans lequel on a le choix entre 6 pilotes et 3 vaisseaux différents. Si vous voulez une définition d'un bullet hell, ça, c'en est un. Ça devient assez intense, assez rapidement, ce jeu-là. Autant dans les balles des ennemis que nos propres balles. À un moment donné, les power-ups viennent que ça a plus de maudit bon sens. Tu couvres l'écran au complet, là. Ça part, là, puis ça fait wild au complet, là, puis c'est magnifique. Mais moi, je trouve que Batsugun, c'est un bon shmup pour les gens qui se mettent au bullet hell, si je peux dire, puis qui n'ont jamais vraiment joué. Parce qu'il y a beaucoup de balles, mais moins que dans les shmups de cave. Et puis la satisfaction de Batsugun, de genre le power-up de tes... Ah ouais, ça pète partout. Tu tires tellement de balles que t'as pas le choix d'être satisfait, là. Tu sais, t'as ton rush. C'est super bien fait parce que le pattern souvent qu'on a dans... On en parlait au dernier show justement de ça dans les bulletins de... Faut-tu wave dans des petits corridors. Exact, exact. Celui-là, il est assez facile à trouver les corridors, comment ils fonctionnent. C'est rare que tu vas être pogné. Ouais. Puis, il me semble que t'as une bombe qui te wipe tout l'écran, incluant les balles, donc c'était bien pogné. Bon, encore une fois, là, une excellente soundtrack, là, ce jeu-là. Tout de ce jeu-là est vraiment, vraiment très bon. Même le art, man, est-ce que c'est beau, les vaisseaux qui sortent de la mer de même, hyper agressif, là. C'est mais le background est très beau aussi. Oui, oui, absolument. C'est comme pour un shmup, là, c'est joli. Tout ça est vraiment excellent. Puis quand j'ai été jouer dans les settings, en fait, de Batsugun dans le menu pause pour voir, j'ai vu qu'il y avait version. Fait que là, j'avais cliqué, puis il y avait Batsugun Special Version, en fait, qui a jamais été distribué ou sorti. C'est un jeu qu'ils ont fait dans des conférences pour montrer qu'ils s'en est avec ça, puis ils l'ont jamais distribué, finalement, mais il est dans cette collection-là. Puis dedans, il y a plein d'améliorations, en fait. Il y a un rehaussement visuel. Les ennemis vont avoir des comportements modifiés. Le hitbox de ton vaisseau est un petit peu plus petit. Tu vas avoir un bouclier autour du vaisseau, ce qui fait que c'est plus facile pour les gens qui vont débuter en leash mop. Donc, tu vas avoir un... Mais qui ont du beat. Tu vas avoir un hit de plus avec le bouclier. Et tu as un ajout aussi de loop multiple. Donc, tu peux refaire le jeu 4 fois avec des difficultés incrémentales à chaque fois. De plus en plus tough. Donc, je sais pas rendu à 4, qu'est-ce que ça donne comme niveau de difficulté, mais non. C'est comme si tu t'assines avec ta blonde et tu parles de ton ex. C'est comme ce niveau de difficulté-là. Mais tu vois, ce qu'on voit à l'écran, c'est le level 1 qu'on a vu tantôt, qui est complètement différent. Tantôt, c'était plus bleu, c'était pas tout à fait comme ouais. Je l'ai mieux aimé, je pense, que le premier. Je trouve qu'il était plus beau, il y avait une plus belle variété dans tout l'enrobage de ce jeu-là. Donc voilà, c'est quatre magnifique. Excellents shmup run and gun. Là, très belle collection. Qui vaut environ 20... Chaque jeu seul est 10$ sur Steam. C'est 20$ pour la collection. Donc, ça vaut la peine. Ouais, 20$, ils veulent que tu fasses un choix. 4 sites de qualité, c'est ça. Sauf Tiger Lily, où est-ce que tu graines un petit peu plus. Mais c'est un classique, faut s'y frotter. Ça fait partie de l'histoire. C'est dans les grands jeux de shmup de l'histoire du jeu. Faut manger tes petits pois pour avoir le dessert. Exactement. C'est bon des fois de revisiter le passé, puis c'est ces jeux-là qu'on a moins accès d'arcade un peu, de l'avoir en... Sur ta télévision, son ordinateur comme ça, vraiment, là, c'est fantastique. Ah ouais. Donc, tu peux-tu tourner ton écran sur le côté? Sûrement, tantôt j'ai dit que l'écran se tournait, fait que oui, tu peux le faire. Ouais, effectivement, c'est peut-être en mode tape. Ça allait faire pipi. Ok, je pensais que quand tu disais que l'écran se tournait, qu'il y avait un mode horizontal. Ben, je sais, en fait, je l'ai pas essayé, fait que je sais pas si c'est ça, je pense. Non, pas, ça doit être pour faire le tape. Ça doit être un mode tape. Mettre ta TV dans l'autre sens. Donc, si vous voulez faire une si vous voulez la vraie expérience, vous avez une mamée, comme dirait Nick. Donc, mettez ça là-dessus, là, c'est incroyable. Non, mais même ta TV à la maison, là, ta flip sur le côté, tu la cotes sur le mur. Ben oui. Non, mais c'est vrai, totalement. Non, on se rappellera d'un certain WEG où il y avait une méga TV verticale. Ouais, moi, je rêve d'avoir une TV verticale en permanence chez nous, rien que pour schmopper rapide quand ça me tente. Ça fait des années que je pense à me faire un genre de station schmop que je sais pas comment je vais le faire ou comment je vais la placer, mais c'est ce que je voudrais faire aussi. Ben oui, vraiment, quelque chose de gros dans ta face. Un moniteur PC qui se... J'en ai un. Qui se vire, c'est parfait. Je dis, mais tourne. Je sais pas comment le mettre permanent, en fait. Ouais. C'est ça que je regarde, là. Cette TV-là, ce moniteur-là, il va servir à soit des schmops ou du TikTok, right? C'est ça, regarder des TikTok en gros écran. Principalement du TikTok, là. TikTok de schmop, là. C'est très très niche dans TikTok. T'as 8 followers. Wow! Good job! Comment c'est ça? Hey, c'est une bonne idée, man. Je vais regarder TikTok de schmop. Demain matin, c'est à la toilette, man. Je cherche des schmops sur TikTok. J'ai jamais pensé à le faire. Tu m'écriras pendant que je suis là-bas, moi aussi. Ah ouais, c'est ça. Bref, dès que le kick in.
Ouais, c'est ça, quand elle fait rentrer. Elle prend la clope, la crotte. Schmop, crotte, clope. Mais bref. En fait, c'est clope. Non, c'est clope, crotte, schmop. L'ordre exact, là. C'est un excellent, excellent package. C'est un excellent port. Continuez les collections. Ben, en fait, je sais pas comment il en reste là, de schmop de Toblin à sortir, là, mais ouais, les trois collections, là, pognez-vous ça si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de jeu-là. Et pour toutes ces raisons, Pogo Free. C'est incroyable. Oh, j'ai capoté. Mon cœur était tellement content de pouvoir jouer à Batsugan en HD sur mon ordi. Là. C'est magnifique. Ah. Merveilleux.